Good morgen, allez, Iden, le chitoi, aujourd'hui, le Nishmat, François Fadji, Ben Chana, Janine Rude, Bat Fortuna, Mazal Fritna, Lachaye, Bat Mazal Tov, Lucien, Bat Reina, Klout, Shlomo, Ben Shalom, et Moshe, Ben Yaakov, Tarab, Akohen. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet Gitin, Perik Tet, Mishnah Gimel, Goufo Shelget, Ariat, Moter, Telechol Adam, Rabbi Yuda Omer, Veden, Deheve, Lechi, Minai, Sefer, Teruchin, Ve Igeret, Shibukin, Ve Get Piturin, Limehach, Ulhit Nasava, לכל גבר דתצבעין, גופו של גט שחרור, הרי את בת חורין, הרי את לעצמך. On s'intéresse dans notre Mishnah à la formulation du get. Qu'est-ce qu'il faut écrire à l'intérieur du get? Bien sûr, il faut bien différencier. Il y a le minimum imposé, et il y a tous les textes qu'on écrit aujourd'hui. Lorsqu'on écrit un get, on écrit plein de phrases pour préciser au maximum. Avec toute forme de formulation, comme ce qu'on écrit. Imaginez que je vais vous demander quelque chose, je vais pas dire « envoie-moi, donne-moi ». Je vais t'écrire « comment vas-tu, ça va ?» Ouais, normal. Ça s'appelle « Shufra Deshtara », ça s'appelle. La beauté de l'écriture, un texte bien écrit, avec une phrase bien construite. Mais concrètement, le minimum imposé pour divorcer une femme, alors c'est de l'écrire. Alors on s'intéresse à savoir dans le Mishnah, qu'est-ce qu'il faut écrire précisément? On a sur ça « Goufo Shelget ». Que doit-on écrire dans le « Gouf Shelget » foncièrement dans le « Get » ?« Areat Muteret Lechol Adam » Selon Kharami, ça veut dire « Areat Muteret Lechol Adam » et je signe. D'accord? Ça signifie que concrètement, si un homme il s'amuse à divorcer sa femme, on lui prend un bout de papier, on écrit « Areat Muteret Lechol Adam » il le donne devant deux témoins, et ben il s'est mis, il a divorcé. Ouais. Concrètement, badaï que non, on fait un « Get » que devant des personnes qui savent comment écrire le guet, hein, avec la formulation, on est très marmir sur tout ça. Il faut qu'il sache qu'il a fait, il a créé un sérieux problème. D'accord? Comment s'en sortir, j'en sais rien. Je n'ai pas étudié les chod guetid dans le Shulchan Aruch, mais en tout cas, il s'est entré dans une situation très 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 complexe. Tout comme quelqu'un qui va s'amuser à donner une bague à sa femme devant des copains, mais dans la hâte beaucoup d'échatli. Il a marié sa femme, l'ami. D'accord? Ok. On revient sur le sujet. Donc selon Khamir, ça veut dire que je te permets. Ben, selon Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. Rabbi Yehuda Omer, il faut préciser autre chose. Je vous explique d'abord, avant qu'on va lire le texte en araméen qui nous écrit. Selon Rabbi Yehuda, ça signifie de donner un papier en disant « je te permets à tout le monde ». Il faut dire que je te donne, tu seras permise à tout le monde par l'intermédiaire de ce papier qui va te permettre à tout le monde. Il faut préciser que c'est ce get, c'est ce livre, ce sefer. La Ketabla sefer ketout, c'est écrit dans la Torah. Sefer ketout, quelque chose qui va l'extradier, qui va la renvoyer. Et donc, il veut préciser que tu vas être permis à tout le monde grâce à ce papier. Pas juste je te permets à tout le monde, mais je te permets à tout le monde grâce à ce papier. Ok? C'est ce qu'il va nous dire Rabbi Yehuda avec une phrase un peu compliquée, mais parce qu'il parle en araméen, parce qu'il fallait écrire le get dans la langue qui était comprise à l'époque. Aujourd'hui, on continue à l'écrire de la sorte aussi. Veden, celui-là, Dehave, par lui, Dehave l'Echi Minaï, qui a été donné à toi par moi. Il faut préciser tout. Je te le donne. C'est pas juste que je t'ai donné autre chose, je t'ai divorcé par. Non, c'est lui qui te divorce. Sefer Teruchin. Alors là, maintenant, on a trois phrases qui sont compliquées à comprendre. C'est des nuances de. Un livre qui va te renvoyer. Ve Igeret Shibukin. Une lettre qui va te laisser. Ve Get Piturin. Et un Get qui va te dispenser. Presque personne ne s'intéresse à nous expliquer c'est quoi ces trois formulations originales. Le Tiferet Israël rapporte. Il suppose que c'est peut-être qu'on a instauré trois léchonotes. En rapport avec les engagements du mari, qui sont de nourrir sa femme, de la blanchir, et d'avoir des rapports avec elle. C'est pour ça qu'on a utilisé trois termes, comme ça il précise. En tout cas, par cet intermédiaire, ce sera maintenant un papier et un livre par lequel je vais te laisser et te renvoyer et te dispenser, au point de « les mehach ou les tnasva les chol gevan de titzbayin » les mehach, la lechet, pour partir, ou les tnasva, pour se remarier, les chol gevar, avec tout homme, des titzbaïn que tu voudras. Donc, on a le principe qui est évoqué dans le prochain Mishnayot, dans le Mishnah précédente, que la base du guet, c'est de permettre la femme à tout le monde, sans la limiter. D'accord? On a fini avec le guet de la femme, et à présent, gofo shel guet shichur. Qu'est-ce qu'il faut écrire maintenant dans un guet de libération des esclaves? Il faut lui dire, areat bat chorin, areat leatzmer, toi tu es un homme libre ou une femme libre, si c'est une servante, ou areat leatzmer, ou bien. Toi, tu es dans ta propre propriété. Tu es pour toi. Quand tu es mon esclave, alors tu es à moi. Maintenant, tu es plus à moi, tu es à toi. D'accord?
C'est déjà, on a rapporté la formulation du get. Alors maintenant, on rapporte du get de divorce. Alors on rapporte aussi la formulation du get pour affranchir un esclave. Alors, il faudra écrire, cette fois-ci, Rabbi Yehuda ne discute plus. On est d'accord que ça suffit de donner à l'esclave, de lui redonner sa propriété à soi-même. Tu n'es plus ma propriété, tu redeviens ta propriété à toi-même. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Tov Selah.